La Basse Meuse. C'est une région de la province de Liège correspondant au bassin de la Meuse, entre la ville wallonne de Liège et la ville néerlandaise de Maastricht. Cette région est représentée par la Maison du Tourisme de Basse Meuse. La Pernèche du Canada, très représentée, un peu trop même parfois, il y a vraiment de la surpopulation, déjà vous pouvez le voir. Le Pernèche du Canada, une oie importée donc de cet endroit, est une des plus grandes bernaches. Elle est de la famille des Anatidés et elle est familièrement nommée outarde. Ici, une poule d'eau en train de faire sa toilette et puis une petite maison. Marécageuse est un ancien bras de Meuse. Dans cet endroit, on y trouve, comme vous pouvez le voir, des tortues d'assez grande taille, quelques étangs. On y trouve aussi des cygnes, comme on l'a vu précédemment, mais ce qui est surtout extraordinaire, ce sont ces grandes tortues qui sont très nombreuses et c'est assez impressionnant. Qu'on voit ici est assez présent, ainsi que les castors. Je n'ai pas d'image ici, la prochaine vidéo traitera des castors. Voilà, une variété beaucoup plus petite évidemment, le rat musqué. En continuant notre parcours, on arrive un peu plus loin que visé, sur une petite rivière qui s'appelle la Berouine, c'est un cours d'eau, l'affluent direct de la mer. Voici dans un endroit que j'apprécie particulièrement. J'ai fait ici quelques très très belles photos de martin pêcheur, d'hirondelles de rivage. C'est un endroit qui est très très peu fréquenté. Quelques pêcheurs vont passer, mais généralement on ne va pas prendre grand chose. Ce ne sont que des petits ici parce que c'est une frayère. Mais par contre, les martins peuvent vraiment se régaler parce que les eaux sont très claires, le courant est bon. Et ce qui permet d'avoir une eau très oxygénée et très claire, sauf par temps cru évidemment. Alors vous voyez un peu mon déguisement entre guillemets, c'est un camouflage pour ne pas être trop de mes cheveux blancs, ça apparaît un petit peu trop fort pour les oiseaux, donc j'essaye d'être relativement discret. Voilà, j'espère que ça vous plaira les quelques images, parce que je vais faire peut-être une forme de défilé de photos. Diaporama, quoi, si vous voulez, quelque part. Avant, on faisait des diapos, maintenant, c'est des photos. Et ça vous permettra de voir un petit peu le photographe à l'œuvre, et surtout le plaisir qu'il prend à photographier ce genre de diamants. Merci. Ciao. Thank you.
Les berges verticales que vous voyez sont vraiment les endroits propices à la nidification du martin pêcheur, mais aussi des hirondelles de rivage. Vous allez en voir quelques exemplaires et les petits orifices qu'ils font. Voilà les deux orifices et voilà la petite hirondelle. On y trouve, je n'ai pas pu en filmer ces jours-ci, mais le nid du martin qui est très semblable, très similaire à celui de cette petite hirondelle. Il laisse souvent des traces fécales et c'est comme ça qu'on peut découvrir que les nids sont habités. Ici on le voit un petit peu moins. Avec le martin c'est plus visible. Ben le voilà le martin. Voilà aussi l'hirondelle prise en photo. Je vous laisse apprécier les images. On peut voir aussi ce qu'on appelle des troglodytes mignons, il porte très bien son nom. Des cormorans, on les voit un peu moins, des hérons cendrés, l'oie du Nil ou l'ouette d'Égypte, le héron cendré de nouveau. Et j'ai même, en filmant les oiseaux, j'ai entendu du bruit derrière moi et j'étais surpris de voir ces gros poissons, dont je ne connais pas l'espèce, désolé, en train de frayer à mes pieds et ça faisait beaucoup de bruit. Je vous laisse apprécier simplement. Si on continue le parcours encore un peu plus loin, on arrive en Hollande, du côté d'Eisden, et vous pouvez voir sur la chaîne cet envolé vers Eisden, où vous aurez un film bien plus long que celui-ci. Mais c'est là qu'on peut rencontrer même des chevaux, tout à fait libres. Quelques images de la faune et la flore que l'on trouve dans la région. Pour simplement terminer, ici c'est une fleur de marronnier. Encore une bernache en vol. Merci de votre attention. Si vous désirez être prévenu des sorties vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le plaisir et pour nous soutenir, un petit pouce bleu de j'aime, ça ferait plaisir. A bientôt pour la prochaine vidéo, sans doute sur les castors.